Maman, je ne sais pas pourquoi tu es morte. Pourquoi tu t'es revue, maman? J'espère que ce n'est pas les blagues. Mesdames et messieurs, certains l'appelaient, je dis bien, l'appelaient Mado de Monaco. Mais elle était reconnue sous son nom d'artiste comme Mado de Paris. Et comme vous le savez, c'est toujours après le décès qu'on découvre certaines influenceuses. Donc, c'est l'unique influenceuse, pour ne pas dire l'unique Ma'lam, ou bien une autre Ma'lam qui s'est représentée sur Facebook et qui a décidé de challenger notre ancien Ma'lam, Laure Kameni. Sauf que cette fois-ci, elle s'est engagée aussi dans les révélations et elle a commencé par Laure Kameni. Après quelques heures de son dernier direct, elle a fait un accident mortel et elle est partie sur le champ. Nous allons écouter son dernier direct où elle fait des révélations sur Laure Kameni. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Compétition de pouvoir. Écoutons ensemble. Laure Kameni, Laure Kameni est entrée dans le secteur, dans un secteur. Et dans ce secteur-là, elle connaît tout. C'est-à-dire, elle connaît nous. Les gens qui sont dans le secteur, ils ont un signe, ils se connaissent. Ils se connaissent. Bien sûr qu'elle est américaine, elle a aussi peut-être quelque chose dans elle. Elle a quelque chose dans elle, comme le mis ici, bon, mélangé avec le pouvoir et plus maintenant la magie commandée. La magie commandée, ça n'est pas le soin de mis ici. Moi, en tant qu'humaine, ça me fait pleurer parce qu'un jour, sur le sentiment des enfants, du peuple. Parce qu'on se lève un matin pour dire que toi, tu vas mourir parce que l'autre est mort. Parce que c'est même déjà un marabout ou un marabout ou un mini. Parce qu'un mini ne peut pas jamais te dire que tu vas mourir là. Elle ne peut pas. Mais elle peut seulement t'avertir que si tu ne te soignes pas, quelque chose peut t'arriver. Mais directement, on t'annonce que comme tu vas mourir. Parce que ton frère et ton patron est entré dans la sorcellerie et il est mort par accident. Il a mis tous vos noms là-bas, vous êtes le nom de 50. C'est lui le père des enfants là, c'est lui la mère des enfants là. Ils sont familiers. D'abord, Laure Kameni, elle n'est pas mini. Elle ne s'est jamais annoncé qu'elle est mise ici. Elle ne s'est jamais annoncé qu'elle est mise ici. Quand elle parle toujours, soit elle te dit que le sel, tu veux glisser sur ton visage. Là. On sait très bien que les mises travaillent avec le sel. Déjà, où elle se trouve là, elle est sous traitement. Le soir, elle était menacée, elle était au pays. Sa famille connaissait qu'elle avait quelque chose qui la dérangeait. Peut-être que ça peut être mise ici, comme on connaît. Même sa propre famille. Qu'elle vient, je n'ai pas besoin de courir par terre. Qu'elle vient, c'est l'écoute. C'est le vrai, elle a dit que la femme s'est dit la vérité. Elle a créé la sorcellerie dans sa propre famille. Laure Kameni a créé un grand désordre dans sa famille, accusé sa famille de la sorcellerie. Elle a accusé beaucoup de gens dans sa famille. Côté paternel, tu joues la sorcellerie. Côté maternel, elle a accusé la sorcellerie. Même son père, elle a accusé son père de sorcier. Même sa propre maman de sorcier, même son propre frère sorcier, elle a accusé beaucoup de gens dans sa famille. Elle, avant de fuir l'Europe pour venir, même l'homme qui l'avait épousé, elle a crié, c'est-à-dire elle a trouvé que le monsieur là est sorcier. C'est pour ça que le monsieur là l'a abandonné. Elle était mariée. Le monsieur l'a abandonné parce que elle a appelé le monsieur de la femme de la sorcellerie. Je ne la connais pas. Si elle est vraie, elle va vous dire que ce que je dis là, c'est vrai. Mon mien, c'est le premier qui accuse la sorcellerie. Et alors, Laure Kameni, dans sa famille, c'est-à-dire les gens me seront la main à la tête. C'est les gens qui crient sur elle, c'est encore la suprême de la catéchie. C'est-à-dire, elle est la seule suprême enfant de la famille que. Tout le monde est resté le matin et dit qu'elle a rêvé que toi, tu veux la manger. Ennemi, elle te voit brûler. J'ai rêvé que toi, tu veux la sorcellerie.
créé ça dans sa propre famille. Et alors, même si elle avait les symptômes de minimisie, elle a tué ça. Elle a tué ça dans le coup de loge là, dans le secteur de la Rose Croix. Elle a tué parce que c'était une fille que elle voulait arriver à un niveau où il fallait qu'on parle d'elle. Ça a échoué. Et alors ce que je voulais vous dire, c'est que quoi? Même si le petit symptôme de minimisie qu'elle a sur elle, on ne peut plus la soigner. C'est comme une maladie. C'est pour ça que tout ce qu'elle peut voir, c'est seulement qu'il dit que l'autre est sorcier, l'autre est arrivé dans le loge, l'autre est dans un secteur, l'autre est loge, l'autre secteur. C'est tout ce qu'elle peut vous raconter. Madame de Paris, la seule unique, la minimisie internationale qui vit à l'Angleterre. Je suis sorti pour leur caméner. Elle s'embrouille, je me pose sur la toile, elle s'embrouille, elle raconte des choses qui n'ont pas de sens. Je suis Mado de Paris, la numéro 1, la seule ministre, la seule star qui a prouvé les épreuves sur Facebook. Donc quand je regarde seulement le nom, je te consulte, je te capte, je te parle, et puis je consulte beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ma valeur. La façon qu'on consulte une personne, ce n'est pas le niveau de la cata. Quand elle est pour recommencer, elle n'est pas mini. Même dans ses dires, elle ne dit pas qu'elle est mini. Comme dans Facebook, les gens sont dans Facebook. Dès qu'ils comprennent quelque chose ici, ils sont en train de courir. Je voudrais voir les gens que leur cabinet a consulté. Parce que les gens qui écoutent seulement le discours qu'elle donne. Le discours n'est pas la consultation. Elle n'a jamais été. Elle n'est pas mini. Même si sa famille connaît, c'est pour cela qu'elle s'abstient trop. Elle ne raconte pas que je suis mini ici. J'ai eu le mini au Cameroun. Elle parle seulement du sel. C'est le mauvais venin qui est dans Facebook. C'est une mauvaise venin qui veut s'installer, qui veut salir l'image de tout le monde. Moi, je suis mini ici. Je suis mini. Mini au Cameroun. Quand le mini te prend au Cameroun, ça veut dire que tu es libre. Je vous explique l'histoire des mini. Elle n'est jamais mini. Elle n'a jamais raconté qu'elle est mini. Elle ne vous parle jamais qu'elle est mini. Moi, en tant qu'une mini, une ancienne, bientôt, je fais 25 ans. 25 ans de mini. 25 ans. Quand le mini te prend au Cameroun, tu es libre maintenant de t'installer dans tout le monde entier. Tu peux t'installer partout quand le mini t'est appris. Parce que c'est une histoire que ça ne blague pas. L'histoire de mini, là, vous comprenez là. Quand tu as le mini, c'est-à-dire si tu es camerounaise, si tu es guinéenne, si tu es en tout cas africaine, le pays d'origine où tu vis, quand le plus là te dérange, si ça ne te prend pas sur la terre de tes ancêtres là-bas, si tu traverses déjà l'eau, tu vis en Europe, si ça te prend là-bas, ça ne peut pas agir. Plutôt, ça va te rendre folle. Ça peut faire un symptôme, comme si ça peut te prendre. On est obligé de t'envoyer dans ton pays natal. Et tu dois encore attendre un peu là-bas. Ça ne peut pas te prendre là. Tu vas directement tomber mini. Directement. Parce que c'est un truc que tu ne connais pas quand ça vient. Tu ne connais pas quand ça approche. Mais c'est là. Parce que les ancêtres ne disent jamais la date quand il va venir attraper sa reine ou son roi ou son chef. Être mini, ce n'est pas donné. C'est un truc que tu t'amuses, soit tu deviens folle, soit tu deviens un style que tu ne peux plus bouger. J'espère que vous avez compris. Tantôt, elle n'est pas mini. Tantôt, elle a un peu de mini mélangé avec la rose croix. Tantôt, elle... Bref, ma, tu as fait ta part. Que ton âme repose auprès de notre Créateur. Mes sincères condoléances encore à la famille attristée. Je ne sais pas si c'est le pouvoir qui a dominé sur le pouvoir. L'artiste a chanté, les gens marchent ici dehors par catégorie. Ça, c'est ton dernier direct. Quelques heures après... Elle fait l'accident. Et elle n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qu'on retient après cet accident ?
tout simplement que les clashs là, faisons très attention. Il faut savoir qui clasher. Je ne veux pas dire que l'or est responsable de son départ, mais je voudrais juste dire, peut-être les esprits ont dépassé les autres. Ou bien alors, peut-être c'était aussi son temps. Ce n'est que Dieu qui sait. Les amis, Dieu nous aime. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.